arrivée, ma chérie? Bah non, je viens juste d'arriver, là. Écoute, Martine... Non, je suis sorti tard de l'agence. Non, tu me fais pas chier, bien sûr que non. Mais non, je t'ai rien promis, je t'ai dit si j'ai le temps, on se voit. Bah écoute, j'ai pas eu le temps, c'est tout. Martine, écoute, on sonne à la porte, là, faut que je te laisse. Mais je sais pas qui c'est. C'est sûrement Fredo. Non, c'est un vieux pote de lycée, là, je l'ai croisé tout à l'heure. Mais non, on va pas faire la fête, j'ai une présentation client à finir pour demain. Martine, faut vraiment que je te laisse, là. Ouais, je te rappelle tout à l'heure, ouais, c'est ça, dès qu'il est parti, ouais. Ouais, c'est ça, bisous. Bisous. Ah, c'est où? Ricky, ça va? Salut, Lucien. Gilo, ça va? Ah, attends, ça. Bah, tu bosses beaucoup en ce moment. Bah, ouais. Bah voilà, du coup on s'est dit qu'on allait passer te voir, on prend l'apéro, ça dérange pas? Ah, écoute, j'avoue que ça m'arrange pas trop là, j'attends un vieux pote et après j'ai une présentation à finir. Bon, ce qu'on va faire, on l'attend, vous me boit une bière tranquille et puis vous cassez tôt, ça le motivera à bouger aussi. Ouais, t'inquiète, on s'en ira vite. Ah, en fait, je prends tes chiottes. Hein. Ouais. Ah, prends la cuvette qui est à côté, la chasse d'eau est pétée. Ah, ok. Et alors, c'est qui ton pote? Je l'ai croisé tout à l'heure, ça fait genre 1000 ans qu'on s'était pas vu. Il m'a dit qu'il passerait peut-être, mais en fait ça m'arrange pas des masses. T'as des devoirs à faire pour demain matin, alors? Ouais, ma présentation client qui était à rendre pour mardi dernier, faut absolument que je la termine ce soir. C'est ma dernière chance, là. Et pour Martine? C'est ta dernière chance, là aussi? Voilà, c'est ça. Ta gueule. Ça va, attends, t'arrêtes pas de dire qu'elle est super relou. Bah, j'ai pas raison, tu dis sans arrêt qu'elle est super relou. Ça va. Le truc, je te rappelle, c'est que vous avez jamais fait les... Ouais, merde! Ouais, c'est bon, je nettoie, hein. Ouais, donc, vous avez jamais fait l'effort, ni toi, ni elle. Et ta coloc, elle est pas rentrée? Non, toujours à Londres. Ouais, toujours avec Ringo Starr. Parce que j'avoue que ta coloc, moi... Hop, la bouteille, là, elle demande à prendre l'air. Ah non, désolé, pas celle-là. Ça, c'est la gnôle du grand-père, y a pas moyen qu'on y touche. Non, tu comprends, je voudrais la garder, pour une occasion. Ah bah, ça doit être Fred. Ah merde. Non, laisse, j'y vais. Oh, Laurie, je suis content que tu sois venue. Moi aussi. Donne-moi ton blouson. Bonsoir. C'est ici, la petite soirée? Ouais, enfin, à la base, c'est chez moi. Eh ben, dis donc, c'est pas évident à trouver chez toi. Hein. Et puis, pour se garer, bonjour. Je suis vraiment désolé, je vais trouver mieux. Mmh. Vous êtes... Puis ça craint par ici, non? Non? Bon, moi, j'ai monté mon poste, hein. Ouais, bah, moi, je viens en meule, j'ai jamais eu de problème. Alors là, je t'arrête tout de suite, la meule, c'est super dangereux. Il y a un an. Non, il y a 2 ans. Il y a 2 ans. J'ai vu un mec en CAO. Il s'est mangé un bus, il a fait un soleil, le mec! Ah ouais? Le jury l'a noté 5-8. Mais c'est toi, Lucien? C'est vachement mignon chez toi, dis donc. Tu veux m'offrir un truc à boire? Ah ouais, bonne idée! Qui veut quoi? Laurie, tu tournes toujours au rouge? Ouais, s'il te plaît. Non, mais tu sais pas où sont les verts, de toute façon. Tu viens, Laurie? Allô? Ouais, Martine, qu'est-ce qu'il y a? Mais si, ça me fait plaisir que tu rappelles, mais c'est juste que ça, c'est un peu compliqué, là, en fait. Non, mais rien, mais c'est Ricky, là, qui a débarqué avec Gilou, et puis copine de Ricky qui est arrivée, et... Non, mais c'est bon, y a rien. Attends. S'il te plaît, j'aimerais bien que tu touches pas à cette bouteille. Voilà. Alors, tu la reposes. Voilà. Merci beaucoup. Allô? Mais oui, je sais bien que je dois me lever à 7h, attends. Ouais. Bon, écoute, je te rappelle dans un quart d'heure, là. Non, dans un petit quart d'heure. Un petit quart d'heure. Gilou? Ouais. C'est qui tous ces gens? Ouais, viens par là, toi. Faut que tu m'expliques un truc. Attends, t'as oublié mon manteau. Merci. Alors, je comprends que tu sois un peu vénère, hein, mais je pense pas qu'il ait prévu qu'elle viendra avec tous ses potes. Puis si elle était venue chez lui directement, elle serait grillée, tu penses? Ah, c'est cool d'avoir amené du rouquin, on allait être à court. Bah quoi, on sait vire, on est des gentlemen. Eh, dis donc, une caisse comme ça, ça doit coûter la peau du cul, Que dalle, je les ai tirés dans une cave, dans l'immeuble. Ouais. On avait pas arrivé les mains vides. Ah, c'est bête. Ça me gêne pas, mais le truc, tu vois, c'est que j'ai pas envie de me coucher tard. Je suis naze, j'ai du boulot demain. Oh non, t'inquiète, hein. Bonsoir. Bonsoir. Régis. Ricky. Je fais pas chier quand même. Non.
Ouais, bah là, je reviens d'une soirée au Palace. J'aurai après l'eau, bien sûr. Bah, je pense aller faire un saut au bain. Je les vire tous, je les vire tous! Mais attends, Lulu! Mais arrête de m'appeler Lulu! Tu vas pas les virer, profites-en plutôt pour te faire de nouveaux amis. Lucien, y'a ton voisin qui gueule parce qu'on fait trop de bruit, il va plus. Les gueules! Merde! Vous êtes trop speed. Monsieur Frossard, surprise alors, hein. Ben, restez pas dans le courant d'air, j'allais justement vous inviter à venir boire un verre. Crottin, prends l'agneau. Écoutez-moi, jeune homme, je comprends que vous deviez faire la fête, mais... Goûtez-moi ça, là, vous allez m'en dire des nouvelles. Hein. Ah, oh, c'est pas vert. Qui d'autre? En fait, on fait pas trop de bruit. Bah, un petit peu quand même, voyez-vous, j'étais en train de regarder mon programme télé, et puis, bon, pas moyen de... d'entendre, alors, parce que vous mettez fort, alors je suis obligé de mettre le son et ça devient assourdissant. Quand j'ai vu mon frigo qui s'est passé tout seul à cause du bruit, je me suis dit, il faut que j'aille lui dire de baisser le son. Ou pas le son, mais au moins les basses, que mon chien est en train d'hurler à la mort, là, vous comprenez? C'est sympa, par le coup. Ça, c'est marrant parce qu'on vient de me livrer une caisse de ce vin-là. Oh, il est fameux, hein. Ah oui, il est très bon. Il change que je vois, mais... Putain, le relou. C'est là, vas-y, dégagez les autres. Oh, putain. Oh, dégueulasse. Putain, je n'aurais pas pu faire gaffe à ma robe, espèce d'abruti. C'était bien salopé. Laisse-moi tranquille. Qu'est-ce qu'il a, il est malade? Lui, c'est ça? Dis-moi, tu sais, est-ce que je pourrais te trouver des clubs par hasard? Je sais pas. Lucien, c'est Martin au téléphone, elle a l'air vachement énervée. Y'a un problème? Quoi la musique? Bah oui, il y a de la musique, il y a des gens qui ont foutu de la musique là juste avant de tout retourner dans la chambre. Mais non, je fais pas une fête, putain! Dégage! Dégage! Dégage-toi! Oh, tout chien là! Putain, mais lâche-moi! Lâche-moi! Arrêtez là, on est chez moi là, on est chez moi! Mais stop! Putain, ma soirée, mon pote, là. J'avais mis la souris, là, il coûte super rush en plus. Eh, c'est chiant, hein. Remarque, moi, une fois, j'ai paumé aussi mon poste dans une soirée. Bah, j'ai jamais retrouvé. Qu'est-ce qu'il y a encore? On a piqué mon poste. T'es sûr que tu l'as laissé sur lui? Oui. Oui, qu'est-ce que c'est? Tirez-vous. Pardon. Dites, et vous l'avez pas vu, mon poste? Allô? Mais Martine, mais je sais pas, il y a des centaines de gens là qui sont arrivés, je te jure, j'ai rien compris! Mais j'ai rien au bord de la bête! Fais péter de la dinde! Mais ta gueule, toi! Allô? Mais je sais pas pourquoi il a dit ça, je sais pas qui c'est, c'est un mec, il est là, il est bourré! Allô? Allô? C'est qui? C'est Martine? Dis-lui que je la baise. Allô, Martine? Les efforts. Tu sais quoi? T'es vraiment qu'une grosse connasse qui comprend que ce qu'elle veut! La preuve, tu crois que je suis en train de passer une bonne soirée alors que je suis en train de passer la pire soirée de ma vie? Non mais je te jure, on prend le génie là! Écoute, il doit me rester quoi? 3 heures à dormir alors maintenant je te raccroche à la gueule!
Mais viens de s'amuser. Ils sont où les gens qui habitent ici apparemment? Mais j'en ai marre de toi! Tu vas te casser de chez moi, connard! Lucien, il y a un mec sous acide qui veut s'envoler par la tête de ta chambre, ça devient n'importe quoi! Je vais me le faire. Mais c'est fini les conneries! Lulu? Quoi? Il y a les flics là, c'est chaud! Tu déconnes? Ben non. Ah, là t'es dans la merde, Lulu. C'est vrai, Karen, monsieur l'agent. Bonsoir, maman, bonsoir, messieurs. Bonsoir, jeune homme. C'est ici, chez vous, là? Bah, je peux vous expliquer. Non, mais je veux pas le savoir. Les voisins se sont plaints. Je vais vous dresser un procès-verbal pour tapage. Voyons. Voilà. La prochaine fois, abstenez-vous de faire du bruit après 22h. Ça vous évitera ce genre de problème. Merci. Bon, circulez. Allez, ça dégage. Bon ben Lulu, nous on va y aller. Ouais, c'est ça, cassez-vous. Merci pour la soirée. Bon courage. En fait, Lucien, j'ai un peu épongé dans les toilettes, mais il y a... Ouais, non. Quoi encore? Fred, je t'attendais plus là. Je suis désolé, j'ai un peu traîné. Sinon, c'était dit qu'on verrait les potes de 77. Eh ben, je les ai tous ramenés, on va se faire une putain de tête! Les bandits des temps anciens, ils avaient la place, ils avaient le chien. Je sais pas au Grisby. Je sais pas au Grisby. Revolver, c'est pour flamber. Mais des fois, les coups partent, on est désolé. C'est pas drôle, mais on est bien obligé de faire taire ce qui se met à gueuler. Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby. Touchez pas au Grisby.